Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir comment on peut naviguer sur Internet sans être vu. Donc avoir un peu protégé notre vie secrète quand on soit au travail ou à l'école ou que ce soit. Des fois on n'aime pas que notre historique soit enregistré. Et donc comment faire par exemple? Là nous allons voir sur Mozilla. Sur Mozilla Firefox, on va voir comment on peut naviguer en privé. Ça reste simple. Il nous suffit tout simplement d'aller, donc là j'ai la ver dernière version, donc elle est mise à jour, du 30 novembre. Donc on va aller dans le menu de Firefox, et il nous suffit donc de cliquer sur Fenêtre privée. Ce qui est bien dans ce mode, comme le dit, Firefox ne conservera aucun historique pour cette fenêtre. Donc tout ce que l'on fera ici ne sera pas enregistré, restera secret, ne sera pas dans leur PC et donc personne ne saura qu'on est allé sur tel ou tel site. Donc on peut aller du travail ou autre directement sur les jeux vidéo. L'ordinateur gardera aucune trace de cette navigation. J'espère que cela vous aura été bénéfique. J'essaierai de vous montrer sur d'autres navigateurs. Là on peut voir rapidement sur Chrome, par exemple, qu'il est aussi possible de naviguer en mode privé. Donc là, ça se lance. Un petit moment. Hop là. Bon. Là, on a un mode normal. Hein, si je marque Google, tout l'historique est gardé. Mais le principe reste le même. À droite, nous avons un petit point personnalisé contrôle. La nouvelle fenêtre de navigation privée. Et si je clique dessus, tout ce que je ferai restera privé. Vous êtes passé en mode navigation privée. Donc là, je retourne sur google.fr. Et donc voilà, tout ce qui se fait là. Reste privé. Pour Internet Explorer, cela reste du même genre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Passez une bonne journée, bonne navigation et à bientôt pour une nouvelle vidéo.